Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire un maquillage, mais que j'ai jamais fait. En fait, j'ai envie d'essayer de faire quelque chose. Je regarde à la télé une émission, c'est Body Paint. Et donc, c'est une chose que j'adorerais faire, peindre sur les corps. Et j'ai vu aujourd'hui une nana qui a été peinte en espèce de chenille. Mais alors, un dégradé de vert foncé, du blanc au vert foncé. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer. Alors, vous allez vous dire, je suis bronzée. D'accord? En fait, compte, non, je ne suis pas bronzée. C'est que je vais faire une autre vidéo aujourd'hui. Et il fallait que j'ai la peau un peu bronzée. Donc, j'ai mis de l'auto-bronzant hier. Alors, ça se voit un petit peu sur les mains. Je les ai lavés, mais j'ai dû toucher après mon corps, mon visage, et puis voilà. Alors ça, c'est un pull qui fait partie aussi de mes créations. En fait, le pull existait déjà. Il y a même du cachemire dedans, c'est très doux. Mais le souci des pulls, c'est qu'ils arrêtent souvent ici au poignet. Et je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, j'aime pas quand c'est net comme ça. Moi, j'aime quand ça se couvre un peu sur les mains. Voilà, parce que je trouve que c'est beaucoup plus beau. Et donc, j'ai pris mon crochet, une laine... qui ressemblait un peu, mais pas tout à fait pareil, je voulais le contraste, et puis voilà, j'ai fait ça. On aime ou on n'aime pas, c'est sûr, moi, perso, j'adore, en plus, je lui ai fait faire un petit mouvement comme ça, et du coup, ça devient un pull, bah, j'adore. Voilà, on va commencer. Alors déjà, comme d'hab, ce que je dis tout le temps, les cils. Oh, je vais mettre cela. Oula. Ça m'est arrivé de perdre un cil. Pas moyen de le retrouver. J'ai pratiquement tout retourné à la salle de bain. Bah, il était sur un de mes vêtements. Je l'ai seulement trouvé quelques temps après. Voilà. Alors, je peux vous en dire un peu quelque chose sur la vidéo que je vais vous faire tout à l'heure. C'est tatouage. Voilà. Alors, je fais des tatouages éphémères tous les étés. Des tatouages éphémères parce que j'adore ça. Je trouve que c'est super joli, ça habille. Et en plus, des fois, lorsque vous portez un décolleté, bustier plutôt, hein, ou alors très fine bretelle et tout, des tatouages qui sont vraiment magnifiques. Alors, je fais aussi des tatouages peints. Mais rarement sur une aussi grosse surface. Et puis en plus, me peindre dessus, j'ai déjà fait. Hein. Ça marche, je suis face au miroir. Alors là, je mets la colle sur les cils. Hein. Comme j'ai expliqué, il faut le faire bien avant pour que ça colle. J'ai définitivement renoncé aux cils magnétiques. Mais il va pas, ça va pas pour moi. Ça veut pas dire que ça n'ira pas pour vous. Le souci, moi, c'est que je supporte rien. Ma mère dirait cette fameuse phrase que j'ai entendue toute ma vie. Ça vous va trop bien. C'est sans doute vrai, hein. Bon. Les cils sont prêts, je les mets de côté. Alors, j'ai fait mon teint. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais quand même poudrer, parce que je brille. J'ai mis de l'highlighter un peu, mais je suis vachement plus jolie sur ce miroir-là que là. Hein. Là, on voit, les défauts sont accentués. Alors, je ne suis pas du tout photogénique, on va dire que je ne suis pas caméragénique non plus. Hein. N'existe pas ce mot, on est d'accord. Hein. Alors, pour faire ce make-up, je vais prendre la fameuse tablette comme ceci, mais je vais en rajouter d'autres parce qu'il me faut des blancs. Et comme je dois faire des dégradés, mais dégradés quoi, je pense qu'il m'en faudrait un peu plus. Alors, il me faut déjà du blanc comme ça, il me faut plusieurs sortes de verres. Je pense que si je joins trois tablettes, par exemple là j'ai pas mal de verres avec des kakis,
Mais je voudrais des verres qui pètent un peu. Verre très foncé ou autre. Là, par exemple, celui-ci, pour terminer avec après un kaki et sans doute un noir. Donc, j'ai aussi brun, noir. Je vais faire un mélange. Je vous avoue que je suis très contente d'être excitée. C'est bien la première fois que je fais une chose pareille. Moi, je pense que c'est grâce à la caméra à YouTube. Parce que je n'avais pas d'idée comme ça. Avoir la journée à teint qui fleurissent. Donc, voilà. Alors, je prends tous mes pinceaux, dont le gros pour dégrader. Voilà, j'essaye de prendre... Je prends aussi des en biais comme ça. Ça, c'est... Oh, bon, tiens, c'est pour les sourcils. Voilà, je... Il va m'en falloir pas mal, surtout des petits comme ça. Ceux-là, je vous les avais montrés l'autre fois. Ce qu'il y a de génial avec ces pinceaux-là, c'est qu'ils tracent réellement, un peu comme l'eyeliner, mais en plus ferme. Donc, c'est pas mal aussi. Hein. Celui-ci, j'aime beaucoup. Là, j'en ai un deuxième. Bon, ben voilà. Ah ben non, là. Et mes petits, et un troisième. Alors, je ne dis pas que je vais tout utiliser. Mais il y a de grandes chances. Alors, juste pour que vous compreniez la somme de travail que j'ai après. Voilà. Souvent, ça c'est pour un seul make-up. Alors, il y en a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bon, là j'ai quand même battu le record. Mon maximum, c'était 18 pinceaux pour un make-up. Ok, alors on va commencer. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer les couleurs, les teintes au fur et à mesure. Là, je vais commencer à l'intérieur par ce blanc. Je vais prendre des mattes. En cas, je mettrai peut-être des paillettes après. À l'intérieur, ça. J'ai pas mis... Non, j'ai mis... Ouais. J'ai pas mis la base Péluise. Bon, ben, c'est pas grave, comme j'ai beaucoup de pastel et tout. Et j'ai mis de l'anticerne. Alors, le rendu, c'est pas super blanc. J'aurais voulu que ce soit un petit peu plus blanc. Alors, ce que je ferai tout à l'heure, c'est que je mettrai mon... La fameuse... Brillant pailleté. Voilà. Donc, je mettrai ça. Je le mettrai en dernier, parce que c'est de la crème. Je risque d'en mettre partout. Alors, voilà. Donc... On a le blanc à l'intérieur. Je mets mes lunettes à chaque fois parce que j'ai ces fameuses difficultés à voir nettement. Alors là, j'ai pas mal de verres. Et là, je suis très contente parce que grâce à ça, on va pouvoir faire quelque chose de pas mal, je crois. Je vais prendre le côté plat, là. Et je pense que je vais prendre celui qui est un peu citron. Mais je vais en mettre sur une très petite surface. Voilà, donc je vais bien sûr un petit peu sur le blanc pour que ça fasse un dégradé. Ce que je veux pas, c'est qu'il y ait des barres. Hein. Alors, on garde toujours le premier pinceau pour repasser en cas dessus. Voilà, je veux vraiment que ça fasse un dégradé. Là, c'est pas mal. Et tous ces pinceaux-là, je vais les mettre de côté. Au fur et à mesure, je les reprendrai pour repasser dessus pour qu'on voie quand même la différence de couleur, de teinte. Alors, j'ai pris, oula, poudre, j'ai pris ce jaune-là. Je vais prendre maintenant ce jaune-vert ici. Je ne veux quand même pas aller dans le orange parce que j'ai peur qu'en allant dans le orange, je n'obtienne pas ce que je voudrais vraiment, quoi. Voilà, donc, là, c'est pas mal. Je l'ai perdu. Alors, je me rends compte là que le jaune, on le voit plus tellement. Celui-ci est tellement fort. Donc, je repars avec mon pinceau du jaune et j'y vais. Je repasse dessus et je vais faire la même chose avec le blanc.
Celui qui me pose le plus de soucis, en fait, c'est le blanc. Oui, parce que le blanc, il n'est pas si intense. Voilà. Oula, je suis en train d'en mettre un peu partout. Comme d'hab, si votre teint est bien poudré, en principe, ça ne pose pas de soucis. Hein. Après, on peut toujours s'aider, voilà, d'un coton-tige pour enlever. Hop là. J'allais dire des petites miettes. En plus, le fait d'avoir le blanc comme ça à l'intérieur, ça éclaircit bien. Alors, je veux faire un truc parce que je pense que dans le pipeau de pierre, il faudrait que j'ai une teinte. Et je crois que je vais mettre le celui-ci, le jaune anis. Ouais, jaune vert en fait, c'est jaune vert. Voilà. Je le mets dans le pli paupière et je ne commence pas au blanc. Je commence seulement à la teinte que j'ai appliquée, qui était en troisième. Voilà, le fait que ce soit délimité déjà, ça m'aide à moi pour placer les couleurs après. Ça va quand même être compliqué, je crois. Ok, troisième teinte, je la pose là. Je ne vais surtout pas me tromper. Il me faut, j'ai le blanc. J'ai le blanc, le blond. Je ne sais pas pourquoi je dis le blond. Allez, la troisième, ce vert-là. Cette palette est super pour ça, à cause des dégradés, justement. Alors, j'y vais. Donc, juste à côté. Je me rends compte là que le vert anis, il est un petit peu satiné. Dans les palettes, souvent, on a des mats, des pailletés, mais il y a aussi des satinés, des duochromes. C'est en fait un peu différent. Moi, personnellement, les traits pailletés qu'il peut y avoir dans des palettes, j'aime pas spécialement. Après, c'est question de goût. Hein. Voilà. Ça tombe même bien parce que ce vert matelas est superbe, je trouve. Alors, de temps en temps, quand je passe la couleur, je vais repasser par-dessus, juste au pli paupière. Je ne veux pas que ça fasse une démarcation. Je veux vraiment que ça soit flouté, que ça soit fondu. Alors, maintenant, un chouïa plus foncé que celui-ci. J'étais là. Donc, je pense que je vais aller là. Parce que là, après... Je vais faire un petit mélange, je crois, de celui-ci et celui-ci. Alors, celui-ci, c'est vrai qu'il tire un peu sur le bleu turquoise, mais celui-ci, je trouve trop intense. Alors, je vais mélanger les deux. Et puis, on va voir. Hein. Oula! On en parle des chutes, là? Oh, vache! Je vais faire quelque chose pour les chutes. Hey. Oh ben non, tiens, j'ai ça. Une petite poudre. Ouais. C'est pas génial pour le prendre. J'aime pas trop ces poudriers qui ont des embouts comme ça. On peut pas l'enlever en fait, c'est bloqué dedans. Moi, ce que je voulais faire, c'était ça, c'est mettre beaucoup de poudre là. Je crois que je vais prendre la cupcake de Huda. Ici, j'ai carrément enlevé le panier parce que j'aime prendre suffisamment de poudre. Comme ça, là, je le trempe dedans. Et ce que je vais faire, pouf, c'est ça. Voilà. Alors, ça s'appelle aussi le baking, non? Ce qui est génial, c'est que... Oh, fâche! Putain, je suis allée franco. Ah, je pense pas briller dans la journée, là. Faut ce qu'il faut. Je me suis lancée dans un make-up assez compliqué, donc du coup, j'assume, hein. Il faut ce qu'il faut, je m'en ai foutu partout. Je vous dis pas, ma salle de bain. Voilà.
Là, au moins, j'aurai moins de regrets. Enfin, si ça tombe, ce sera beaucoup plus facile selon moi. Alors, j'en étais où? Du coup, j'ai posé mon verre, mais je ne sais pas où. Ah là, je range quand même bien. Donc, on a dit ce fameux mélange. Franchement, c'est pas mal, je crois. Voilà. Je vais repasser un petit peu l'autre verre. Du coup, je les dégrade ensemble. Certaines se sont un peu estompées. Je n'ai pas envie d'en rajouter maintenant. Je veux voir ce que ça donne. Et là, maintenant, je vais commencer avec les teintes qui sont un petit peu plus foncées. Du coup, je vais prendre mes fameux. Ça va être pour tracer cela. Et après, on verra pour estomper, etc. Donc, je pense que je vais prendre celle-ci maintenant. Alors, ce ne sont pas, on dirait pas des verres francs. Mais ça fait le job, hein. Voilà, je remonte un chouïa dans mon pli paupière pour donner cette espèce de dégradé. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, il faut quand même que ça soit un petit peu ombré. Alors, le fait d'avoir posé cette teinte comme ça, c'est super. Maintenant, je prends un petit pinceau et doucement, je vais aller le dégrader. Alors là, je vais quand même surveiller parce que je me rends compte que je suis en train de descendre. Et ce que je voudrais quand même, c'est avoir les yeux qui partent un petit peu vers le haut. Là, je vais prendre à présent le second petit pinceau si je le trouve. Là, je les ai mélangés avec les autres. J'ai de la poudre partout. Et là, à présent, je vais prendre celui-ci. Quoi qu'il me paraît un peu beaucoup foncé. Je vais prendre ce kaki-là d'abord. Celui-ci, je pense que je vais le prendre en dernier. Après, je verrai sur les autres palettes si j'ai encore plus foncé. Alors là, je vais le monter un peu. Je vais commencer ma forme, en fait. Voilà. Il faut. Parce que si je commence pas là, je sais que je vais descendre et c'est jamais vraiment évident, quoi. Ce que je voudrais, c'est que le vert après soit réellement très très intense. Alors je vais reprendre ce fameux pinceau-là et je vais prendre celui-ci. Donc ça c'était le vert juste avant le foncé et je vais essayer de remonter doucement comme ceci. Voilà. Je le monte comme ça. Il va me servir de base celui-ci. Attention, hein, je ne suis pas maquilleuse professionnelle. Je ne suis pas maquilleuse du tout. Hein. On va dire, je m'amuse. Mais je pense que dans ce domaine, un peu tout est lié, quoi. Vous savez peindre, vous savez sculpter. Après, on a des. Moi, j'ai une prédisposition pour la sculpture. Ce que j'aime, c'est les matières, en fait. Bon, voilà, je l'ai. À présent. On attaque le tout foncé. Ça, c'est le plus foncé de la palette. Ce que je peux faire après, c'est le mélanger aussi avec un brun foncé et pour finir avec un noir. J'aimerais que ce soit intense, intense. Je sais, j'ai quelque chose. Parce que du coup, moi, je trouve qu'à partir de là, il n'y a plus de. Tellement, tellement de contraste. Oh, j'ai rendez-vous chez Toubib tout à l'heure. Ah bah oui, je vais avec mon make-up, avec mes cheveux, mon make-up, mon look. Celui-ci m'a l'air un petit peu un chouïa plus foncé. Je suis pas sûre. Je vais vérifier. Hein. Je regarde lequel. Je commence à m'y perdre. Oh, il est pas mal. On va voir.
Ouais. Alors, je vais par la même occasion. Je vais dégrader après au-dessus, hein. Je vais commencer à en dessous à faire mon ras de cils parce que là, ça fait vraiment nul, quoi. Le ras de cils, je vais le faire avec celui-ci. En fait, ce bleu canard, certes, je vais rester dans les verts au-dessus, mais en dessous, j'ai envie de changer un peu, quoi. Là, je suis avec le bleu, bleu canard ou bleu pétrole, juste dans le coin. C'est important aussi qu'il y ait un contraste. Et je prends ce pinceau où j'avais mis le vert dessus. Comme ça, la teinte, elle va être encore changée. J'ai vu une vidéo il y a quelque temps sur le maquillage de la cagole. On aime ou on n'aime pas, mais bon, faut avoir du second degré. J'aimais bien parce que la fille montrait qu'elle mélangeait les couleurs un peu comme je viens de faire. Et elle le tournait super bien, puisqu'elle disait après, ben voilà, je viens d'inventer ma couleur. Ça, c'est une couleur que personne n'a. Moi, les accents de Marseille, oui, si je peux quand même le faire, j'habite dans le Var. Mais, ah, j'ai un poil de manche. C'est bien les animaux, hein? Alors là, c'est du vert foncé, hein, que je mets. Là, la muqueuse dessous, et je vais mettre du noir au-dessus. Je veux déjà intensifier les yeux pour voir le rendu déjà un peu. Hop là. Si je dérape. Mais ça me va ce truc. Ouais. Ouais, je disais où je suis forte pour les accents, c'est les accents de la Suisse ou de Halsaf, de Halsakop. Lorsque je suis arrivée sur la plage, ici, sur la côte. En fait, la dernière fois, j'ai dit 35 ans. C'est pas vrai, ça fait 25 ans que je vis ici. Quand je suis arrivée, j'allais à la plage tous les jours du matin au soir. Alors déjà, tout au début, je ne travaillais pas, donc forcément, et après je travaillais, mais c'était trop tard, quoi. Je m'étais accrochée. Et venant de la Lorraine, je vous dis, soleil, on n'en avait pas tellement, hein. Du coup, c'est normal. C'est presque normal et excusable. Alors, je vais chercher une autre teinte, en même temps, je vous raconte ça. Donc, il y avait ce couple qui était juste en face de moi, des Alsaciens, et c'était un papy et une mamie qui, je pense, avaient leur petit-fils en vacances, quoi, chez eux, comme ça se passe souvent en été. Alors je vous montre avant de continuer. Je vais mettre ce vert-là, kaki, mais un kaki clair et kaki très foncé. Voilà, je vais rester dans cette gamme-là, ok? Comme ça, vous le savez. Maintenant, je peux vous raconter mon histoire. J'ai remarqué, c'est souvent haché ce que je dis, hein. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête et je voudrais aller plus vite que la musique. Voilà. Donc, il y avait ce papy et cette mamie, ils étaient juste en face de moi. J'avais un bouquin, mais ils parlaient très très fort, donc j'étais obligée de les entendre. Et je me souviens que la mamie disait au papy, mais donne dans le bonnet la casquette au petit, que tu vois qu'il y a le soleil. Et que le petit, il n'a pas la casquette qui va prendre tout de suite des coups de soleil. Donne donc. Et tiens, le papy qui dit, mais laisse-le donc jouer, le petit, et tout, il n'y a pas de souci. Et la mamie, mais donc la casquette sur la tête du petit, qu'il va avoir une insolation. Mais arrête donc, il dit le papy, arrête donc, laisse donc le petit, il est en vacances toute l'année déjà, tu dis ce que lui doit faire, maintenant il est tranquille là, laisse-le là. Alors, et ça a été comme ça, je ne sais pas. Peut-être pas enchaîné comme ça, mais tout le temps qu'ils étaient là. Et ça m'a tellement marqué que par la suite, qu'est-ce que j'ai pu m'amuser à faire des choses pareilles. Je le faisais avec ma fille d'ailleurs. Ah ouais, je m'éclatais à prendre cet accent. Alors, j'ai peut-être des prédispositions parce que je suis native de Lorraine.
Et que, ben, en Lorraine, il y a aussi un accent, hein. Certains l'ont plus que d'autres, hein. En arrivant, je l'avais pas mal, oui. C'est surtout lorsque je disais 8 ou 8. Alors, je sais plus maintenant si je le dis à la Lorraine, là ou pas. 8, ouais, je sais plus. Et petit à petit, ben, en 20 ans, je l'ai perdu. Alors là, je suis sur le kaki tout foncé. Donc, je suis pas mal. Je suis un petit peu loin là maintenant, du coup. Oh putain, je suis tout bien. Si je demande à la salle d'attente, vous allez voir un peu. Les gens me regardent. Mais ils me trouvent très sympathique. Et alors, ce que j'entends souvent, c'est ça, c'est que. Ah oui, mais à vous, ça vous va. Bon, ben, je dis, écoutez, c'est tant mieux. Que ça m'aille ou pas, de toute façon, je ne change pas. Hein. Si je vais aussi pour payer mes impôts, c'est pareil. Hein. Alors, justement, c'est pareil. Et je trouve ça génial. Comme quoi, ça se modernise. On a les impôts chez nous. J'y suis allée la dernière fois. Et ben, en fait, je ne sais pas si la personne, c'était un transgenre ou quoi. Je les adore, hein, franchement. Mais il était au guichet derrière. Donc, c'est un mec assez fort même. Mais avec perruque, maquillage, habillé en femme et tout, génial. Franchement, j'ai trouvé super. Et alors avec un maquillage, style drag queen, non? Mais alors comme quoi? C'est vrai, un institut comme les impôts. Je dirais c'est vachement sérieux, c'est vachement étriqué, quoi, tu vois. Ben non, ben moi, et j'adore ces personnages. Oh, mon Dieu, ils sont tellement riches. Quand je pense, lorsque je pense que. Tout ce qu'ils doivent traverser, ces gens. Mais vous pensez pas, vous, un peu, que c'est déjà suffisamment dur de ne pas savoir réellement qui on est? Imaginez-vous, vous étiez petit, vous saviez que vous étiez une fille ou un garçon, c'était génial. Je veux dire, il y a déjà des complications, il y a déjà des choses à vivre qui ne sont pas évidentes. Mais si en plus de ça, vous cherchez votre identité, vous n'êtes pas sûr de qui vous êtes, voire même de ce que vous êtes, parce que avec soi-même, on n'est pas spécialement tendre aussi, hein? Je vais mettre du l'anis là, en dessous. Je vais voir après si je fonce vers le haut. Et donc, ces gens-là ont déjà un problème d'identité au départ. Pas évident à vivre, parce que il y a leur famille. Ils ne savent pas eux-mêmes qui ils sont, donc c'est très dur à vivre. Et lorsqu'enfin, ils le savent, fille ou garçon, ou peu importe, transgenre, peu importe, qu'est-ce qu'ils ont? La société sur le dos. Une bonne partie des gens. Alors déjà, qu'est-ce que ça peut vous foutre à vous? Je veux dire, tant que les gens ne viennent pas chez vous, dans votre salon ou dans votre chambre, et vous imposent des choses, que là, vous râliez, oui, ok, mais là. Alors certains, d'aucuns diraient, oui, mais c'est contre nature tout ça. Ben, ce qui est contre nature, je crois, c'est les cons et la connerie. C'est tout. Parce que si personne vient vous embêter, vous n'avez pas à juger les autres. Vous n'avez pas à vous dire, style votre voisin, oui, mais lui, il fait ça. Et alors? Il le fait chez toi? Non? Ben alors, ta gueule. Puis c'est tout, désolé, hein, je m'excite un petit peu, mais parce que. La connerie, moi, je peux plus, je sais pas vous, moi je peux pas. Oh. Comme quand je vois aux infos, là en ce moment avec le coronavirus, c'est hier soir, je crois qu'il parlait des urgences, les coups de fil qu'ils ont. Ou alors, cette vidéo que j'ai vue, cette bonne femme, c'est en Belgique, elle est dans la rame, dans le métro, et elle invective. Un petit couple de Chinois, ils sont trois, je crois. La fille, le garçon et un autre. Et elle les invective et les insulte et leur demande de partir. Mais ces gens sont en Belgique. C'est pas typiquement chinois, le virus. Il faut le comprendre. C'est pas parce que tu es né chinois que tu développes ce fameux coronavirus et que tu transmets aux autres. Non, non, madame. Non, non, non. D'ailleurs, ils te l'ont dit à la télé, mais je pense que tu n'as pas la capacité de comprendre.
T'acheter un cerveau, c'est pas possible, il n'y en a pas encore en vente. J'espère que ça se fera. On ne sait pas, dans 1 million d'années, si bien sûr l'être humain est toujours là. Mais madame, tu le comprends ce truc? Ce petit couple de Chinois avec leur ami, ils sont en Belgique, ils sont nés en Belgique, ils sont belges comme toi. Parce que toi qui te dis belge, ouais, on est chez nous, etc. Fais voir ton arbre généalogique, s'il te plaît, et dis-moi voir d'où tu viens réellement. Parce que la plupart qui défendent leurs droits comme ça, que tu défendes ta maison, ton petit carré où tu vis, ok. Mais le reste, non, je suis désolée, t'as pas à le faire. Parce que ton grand-père, arrière-arrière-grand-père, etc., à mon avis, il n'était pas de là, hein. Non, il n'était pas du quartier. Alors si on doit revendiquer des petites choses, je pense qu'il y en a certains qui feraient peut-être mieux de fermer leur bouche, non? Croyez pas? Et voilà, je m'emporte à nouveau, je m'énerve. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais passer aux vidéos. Ça, c'était la crainte, hein, que j'avais. Des jours, on parle ni politique, ni rien. Bon, politique, je parle pas. Déjà, parce que j'y comprends pas grand-chose. Je comprends l'essentiel pour pouvoir comprendre les infos, mais ça s'arrête là. Donc, j'ai certainement pas la capacité à débattre de quoi que ce soit. Par contre, la connerie humaine, ouais. Ah, je suis désolée, là, j'en connais un rayon. À 8 ans, t'en rencontres, enfin j'ai rencontré, vous savez, je sors pratiquement pas, moi. Hein. Là, je vais sortir aujourd'hui, parce que je vais chez le médecin. Après, je ne sortirai que si je suis obligée. C'est tout. Alors, c'est pas mal, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais. Non. Alors, je vais estomper un petit peu comme ça. Voilà. En fait, c'est ça qui me... Voilà. Ouais, c'était ça qui me gênait un peu. Sinon, dans l'ensemble, les dégradés, ouais, je les ai réussi pas mal. En plus, c'est très naturel, hein, ce maquillage. Pour moi. Non, c'est pas naturel, là. Faut pas déconner quand même. Ah, je vais peut-être faire un truc pour en haut. J'ai beaucoup de trucs que je fais. Alors, je cherche un beige mat, surtout pas nacré. J'en ai un là, ça c'est le mien, le fameux. Parce qu'il y a beaucoup de beige. Non, il est trop. Beaucoup de beige qui sont trop foncés. Ah, voilà. Alors, je vais vérifier quand même qu'il soit pas nacré, parce que je veux le mettre sous la... Juste sous le sourcil, et je ne veux pas non plus faire un maquillage des années 70, vous savez, où ils mettaient du nacré là. Voilà, je mets beige mat. Ça bouge, ça joue beaucoup en fait. Bon, on est pas mal. Tiens, je vais garder les paillettes, peut-être que je vais m'en servir. Alors, le fameux blanc, on le voit pratiquement plus là. Je le repose, je vais repasser en fait toutes les teintes. On a le blanc, My Honest. Alors, j'avais le jaune. Ah oui, c'est bon. Alors, je jongle avec 3 palettes, 4 maintenant avec celle-ci que je vais ranger. Ah oui, c'était dans la première, dans la grande. Voilà. Vous avez vu, à chaque vidéo, je fais tomber quelque chose. Ça, c'était le jaune. Un petit peu flashy. Allez. Voilà. Après, il y avait celui-ci. C'est le anis. Voilà. Bah, plus ou moins, hein, j'y suis arrivée. Ça me plaît pas trop, ça fait... Ouais, là, ça fait un peu drag queen. Alors, j'aime bien, hein, le maquillage, mais non, là, non, quoi. Je veux quand même pas... Ce look-là, voilà.
encore en dessous, je vais mettre celle-ci. Non, celle-ci, un peu plus clair, le bleu. Ah, bah oui, là, on a des couleurs. Mais je suis sûre que dans la salle d'attente, là, chez le Toubut, tout à l'heure, les gens qui vont. Bon, les gens n'osent pas vous regarder, Franco. Mais ça ne me gêne pas, c'est tout à fait normal que ce soit intriguant. Souvent, j'entends des gens qui se maquillent ou qui font des looks un peu spéciaux, puis qui après se plaignent. Oui, oh, les gens regardent, c'est normal. Les gens regardent ce qui n'est pas comme eux. Hein. Ça ne vous empêcherait jamais les gens de regarder. Et honnêtement, moi, ça ne me gêne pas. De toute façon, quelque part, je le fais pour moi, ce maquillage, mais je le fais aussi pour être regardée, non? Et si des personnes me disent « Ouais, c'est beau, j'aime bien », tant mieux. Et puis si d'autres disent « Bon, non, pour moi, c'est un peu trop », ben, tant mieux aussi. Pas de souci, quoi. Déjà, d'une part, au moins, ils ne feront pas le même et je ne les rencontrerai pas. Encore que ça serait marrant. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Chacun. Ah, je me suis acheté un truc, là. On va laisser ensemble une petite bouteille de vin. Allez, hop, clou-clou. Et ça, c'est pour les sourcils, pour les teindre. Parce que moi, j'ai très peu de sourcils, en fait. J'ai quand même des poils, hein, mais très, très peu. En fait, je me suis rasée quand j'étais très jeune. Et ça n'a jamais vraiment repoussé. C'est pour ça que les jeunes, bon, je ne pense pas qu'il y en ait qui regardent. S'il y en a qui regardent, je vous déconseille de raser complètement vos sourcils parce que vous allez voir qu'un jour, c'est fini. Ils ne pousseront plus. Enfin, s'ils poussent, tant mieux pour vous. Hein, mais... Allez, je vais estomper une dernière fois là. Voilà. Ouais, je le voyais beaucoup plus entre ce que j'ai dans la tête. Est-ce qu'il y a la réalité? Ouais, il y a une grosse marge. Mais c'est pas grave, mais je pense que je le referai. Alors, j'ai consommé aujourd'hui. Je ne vais pas mentir. Est-ce que je l'ai pris celui-là ou pas? Non. Voilà. Tout ça. Alors, facile pour les laver. Hein. Bon, là, je les mets en deux fois sur la petite brosse. Ah, j'ai même ça maintenant, vous voyez? Avec des ventouses, donc ça vous le mettez dans votre lavabo et il y a des petits picots et il vous suffit de frotter, vous les frottez par 4-5 d'un coup, hein. Oh, qui se peinture les pinceaux à laver, ma foi, c'est pas ce qu'il y a de pire. Bon, on en est là. Alors là, du coup, bah écoutez, je vais faire le liner avec Lingot. Par contre, j'aime pas du tout les pinceaux que j'ai, mais celui-ci, j'aime pas le liner parce que pas con, pas bon. Ce que je vais prendre, c'est le pinceau là. Vous savez, j'en avais fait un et... Alors, je tire pas dessus parce que j'avais perdu ça. Donc, comme d'hab, ça c'est Make Up Forever. Lingot. Bon, il y en a d'autres. Hein. Il n'y a pas spécialement que celui-ci. Celui-ci, ce qu'il y a de bien, c'est que tout ce qui est poudre, voilà, il vous le transforme en liner. Donc... Et en plus de ça, ça devient waterproof. C'est intéressant. Si vous avez de l'humidité chez vous sous la pluie. Pas les larmes, hein, parce que le waterproof, les larmes... Il n'y a aucun maquillage qui résiste aux larmes. C'est pas de l'eau, les larmes. Hein. C'est une petite partie de vous. Voilà, donc je fais un petit mélange comme ça. Et là, c'est bon. Je vais regarder si ce pinceau va bien. Alors, je vérifie toujours si mes mains sont propres parce que le problème... Ouais. Oh là là. Tant pis, je vais en faire un plus gros. De toute façon... Alors, le liner, je vous l'avais dit l'autre fois, vous posez au centre, comme ça, ok? Et petit à petit, vous revenez par le devant. D'accord? Et là, à l'arrière. Donc, quand vous êtes pratiquement ici, vers la fin, il faut quand même que vous ayez du produit. Pas trop, mais il faut que vous en ayez pour pas que ça fasse des petites hachures.
Oh, moi, je tire un tout petit peu. Mais ça, je vous le déconseille. Bon, à la limite, j'ai peut-être pas besoin, quoi. Je sais pas, je vais essayer. C'est une habitude, je pose. Ah ouais, pas besoin. On tire le trait et on remonte. Et après, on remplit. Pardon, on replie. Non, on remplit. Voilà. Alors, une glotte, j'ai mis 2 gouttes là. Je le trouve un petit chouïa trop fluide. Ouais. On refait la même de l'autre côté. On pose au centre, d'accord? Juste poser comme ça. Et tout doucement, par petite hachure, la première, la seconde, on remonte un peu. Après, on fait la comparaison avec celui d'à côté, là, c'est pas tout à fait symétrique. Celui-ci n'est pas droit, en fait. Alors, il y a aussi le souci des paupières qui sont un peu plissées. Avec l'âge, petite chose comme ça. Faut s'y habituer, ne vous moquez pas, chacun son tour. Et heureusement, d'accord? Alors le plus dur dans l'eyeliner, c'est que ça soit symétrique. Alors, prenez du recul un peu pour voir un petit peu comme c'est. Un petit coup d'œil sur celui-ci, un petit coup d'œil sur celui-là. Bon, pareil, on ne tire pas, hein. J'ai toujours tiré la paupière. Même lorsque j'avais 20 ans, c'est une habitude, hein. Bon, après, si vous avez une paupière qui est très plissée, ça arrive où les paupières tombantes. Moi, c'est tiens, j'ai pas les paupières qui tombent et. Et j'ai les yeux creux et vachement haut, donc du coup je peux m'éclater avec le maquillage. Quand vous avez les sourcils trop bas ou une paupière beaucoup plus petite, on peut pas trop mettre de couleur, donc je pense. Enfin, je sais pas. Ouais, un petit truc là. Vous savez, je me plante le plus souvent, moi, avec liner, c'est quand je rajoute des choses. Bon, ben, ça m'a l'air pas mal, là, hein? Non? Alors, ce petit pinceau, je vais certainement pas le frotter sur mon petit truc. Je l'ai fait une fois. Et alors, les traces noires, je m'en suis foutu plein les pinceaux. Il a fallu longtemps. De l'eau micellaire. Et puis voilà. Parce que je vais pas. Ouf, à la limite, j'aurais pu le mettre comme ça. Je me sers pas de celui-ci. Voilà, ça c'est fait. Alors. Maintenant, j'ai vu que mes cils étaient tout poudreux. Ce mascara, c'est toujours une horreur. Mais j'ai trouvé un truc. Je passe le goupillon après. Ce que je vais essayer de faire, hein, aussi une fois, c'est un smoky. Alors, certains disent que c'est le maquillage le plus facile à faire. Je suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve que le smoky, bah, si, faut vraiment que ça soit estompé et tout, donc non. Je vais mettre de l'encre à lèvres. Alors ça aussi,
Ils le vendent partout, sur tous les sites, Wish, machin et tout. Et ce que moi j'aime, c'est AliExpress. Et c'est de l'encre à lèvres, j'aime bien. En fait, quand je ne sais pas trop quel rouge à lèvres je vais mettre, par exemple, pour sortir, puisque je vais le manger entre-temps, rien que de croquer dans une pomme et tout, voilà. Le rouge à lèvres part. Donc je vais mettre celui-ci pour l'instant. C'est coréen, ça, je crois. Les coréennes en des maquillages très légers, comme moi. Non? Mais je me prends très au sérieux, moi. Des gens qui disent qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. Je ne suis pas d'accord. Moi, je me prends très au sérieux. La seule chose, c'est que je me moque. Ah, vous avez vu mon petit bandeau? Attention, je vous regarde. Alors, j'en mets un ouvert et un peu fermé. Chiche avec celui-là chez le médecin. Ben voilà. Qu'est-ce qui reste? Nos petits cils. Là, vous le remarquez, écoutez le bruit. Là, c'est bon. La colle a bien prise. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Je mets d'abord la pointe. Je le ramène derrière. Oh. Le tout, c'est de voir la différence entre l'endroit. Oh, pétard. Ça, c'est bien du sud, ça. Hein, le... Oh, pétard. Et je m'aide d'un petit bâtonnet appelé attelé. Oui, ça s'appelle un attelé. D'autres disent un cure-dent. J'arrive au restaurant, je leur demande s'ils ont des attelés. Ben, vous le croirez ou non, personne ne sait ce que c'est. Alors, soit ce mot se perd, soit c'est carrément moi qui pense qu'il existe réellement. C'est quand j'étais jeune, quand j'avais 13, 14 ans, mes parents avaient un hôtel-restaurant-bar en Lorraine et. Je crois que c'est là que je l'ai entendu. Alors, ce que je fais souvent, c'est que là, j'ai mis les cils, mais je trouve qu'il y a des zones claires. Alors, j'ai un liner dont je ne me sers que très peu, parce que les cils, je les mets toujours en l'aimantant un peu. Je trouve que ça... Ben, je préfère les yeux comme ça, en fait. Ça fait un peu plus des yeux de bichette. Fait une sacrée bichette, moi, déjà. Hein. Donc, voilà. On est bon? Allez. Petit spritz. Pour avoir un glow magnifique. Oh, ça fait du bien. Alors, je me regarde là, je vous promets. Une bombe à aucun défaut, rien du tout. Et je regarde là, voit déjà qu'il a fait la guerre un peu à la fille. Mais bon, alors je vais choisir de regarder là. Et sans lunettes. Parce qu'elle dit, c'est pas la peine. Et voilà, mon maquillage est prêt. Alors j'ai vu que j'ai perdu une boucle d'oreille là en haut. Je sais pas du tout. Puis avec les ongles là, je vais pas pouvoir en mettre. J'ai quatre trous de chaque côté, plus là en haut. J'en ai, je sais plus, un peu partout dans le cartilage du côté, avec mes oreilles vertes qui sont toujours vertes. Je
Je ne me suis pas lavé la tête encore depuis que j'ai fait la couleur. Mais il y a quand même un truc que j'adore sur cette couleur-là. C'est qu'avant, j'achetais, je vous montre. Tout le monde faisait la pub de ce produit-là. En deux shampoings, pratiquement plus rien. J'avais un vert clair, un vert un peu fluo, je ne sais pas. Franchement, non. Et puis, j'ai découvert autre chose. Et si jamais vous voulez voir comment je fais et ce que je mets, parce que cette teinture-là, elle part pas ni sur l'oreiller ni nulle part, contrairement à l'autre. L'autre, je retrouvais dans les serviettes, quand je prenais ma douche, plein d'eau, et je trouvais surtout sur l'oreiller. Alors là, je ne me suis pas encore lavé la tête, donc je ne sais pas trop. Par contre, au départ, sur mon oreiller, je mettais une serviette foncée pour être sûre, pour le cas où ça dégorge. Mais en fin de compte, les 3 premières nuits, ça n'a pas dégorgé ni rien du tout. Je n'ai pas vu de différence. Alors du coup, j'ai enlevé la serviette. Et sur l'oreiller, rien du tout. Donc, peut-être que je ferai une vidéo la prochaine fois. Je ne sais pas, je vais faire un peu plus de la turquoise. C'est un vert émeraude. J'aime beaucoup, hein, mais pourquoi pas changer? Voilà. Bah, écoutez, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure pour la vidéo des tatouages. Donc, j'aurai ce même maquillage, c'est sûr. Ces mêmes yeux globuleux. Ou alors, j'aurai peut-être changé d'ici là. Ah, je vais mettre mes petites boucles d'oreilles vertes. Ouais, je vais mettre de suite, tiens. Après tout. Alors, j'ai obligé de les mettre en regardant dans le miroir. C'est pour vous montrer à quel point je vois pas bien. De loin, je vois très bien. En face de chez moi, bon, j'ai un bras de mer, et il y a la colline en face aussi. Je suis capable de voir les maisons, le nombre de fenêtres et tout ça. Pourtant, c'est à 4 km de sang. J'ai calculé, j'ai fait le chemin en voiture, puisque je faisais le chemin à pied avant. Eh bien, je suis capable de vous dire combien de fenêtres, etc. Mais vous pouvez me dire à quoi ça sert. Moi, l'idéal. Encore un truc tombé. Moi, l'idéal serait que je puisse voir de près, quoi. Voilà. Bon, cette fois-ci, j'arrête parce que qu'est-ce que je peux papoter, moi? Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Portez-vous bien.